Allô les poulaches, comment ils vont? J'espère que vous allez bien. J'avais oublié, frère. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Emilien Gailleton, les gars. Donc là, on est chez moi. On est à Pau, les gars. Section paloise. On a Emilien qui est venu pour me défier et je pense que ça va pas rigoler. D'accord? Emilien, je te laisse te présenter. Bah, moi, c'est Emilien Gailleton. J'ai 20 ans, joueur de la section paloise. J'ai commencé le rugby à Cahors, passé par Agen. Cahors, c'est dans le Lot. Non, Lot. Ouais. À chaque fois, je fais une gaffe. Donc, originaire de Saint-Lary, c'est dans le Béarn. Non, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Super. Damien Mossessé. Et voilà, je passais par Agen et ça fait 2 ans que je suis à la section. Ok, bon, ça se passe bien la section? Ouais, plutôt bien. Oh, plutôt bien. Marqueur de ses premières saisons, ça peut que bien se passer. T'as eu la chance aussi de partir en équipe de France. C'était comment? C'était physique, hein? Ouais, mais on en a vraiment chié pendant 2 mois là, surtout ouais, à Monaco quand il faisait très très chaud. Et après, bon, j'ai eu la chance de connaître ma première sélection en équipe de France, donc ça, c'est sûr c'est que c'était fou. On était fiers à la section, on a tout regardé, on était content. Ouais. Du coup, je suis revenu pour une deuxième prépa à Pau et bon, c'était un peu frustrant de faire une deuxième prépa, mais bon, c'était un peu moins difficile. Ouais. Et la prépa pour la vidéo d'aujourd'hui, tu l'as faite? Parce que ça va pas rigoler. Ouais, oh, là, je l'ai faite. Ouais. Donc, on va s'affronter, les gars, sur 3 défis. Donc, premier défi, on a Albert. Viens là, chérie. Présent là. Bonjour. Tu fais un petit bonjour à la cam, frérot. Bonjour. Enchanté. On aura 5 ballons pour faire des passes. Donc, Aubin, qu'on va emmitoufler comme d'habitude et on va faire un défi de précision de passe. Donc, Aubin sera mobile, 5 points. 3 points et les extrémités, c'est 1 point. Voilà les gars, ça c'est le premier défi. Ensuite, deuxième défi, on aura un petit parcours où on sera surbandé. Voilà, pour un petit peu corser le truc. On sait que Emilien, c'est un joueur qui est hyper rapide. Donc le but, ça va être vraiment de l'avoir sur ça. Ensuite, troisième défi, j'ai choisi de provoquer un petit peu Emilien encore une fois sur la course. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur 50 mètres. Emilien aura un petit handicap. On mettra Albert encore une fois en défenseur. Il devra se faire un petit rasant pour lui-même, faire un petit par-dessus auprès de lui, le récupérer et aller marquer. Mais je serais déjà avant. Gros handicap par contre. Et bien sûr les gars, pour donner une dimension un peu plus alléchante à la vidéo, il y aura un gage. Celui qui perd, on part sur quoi? On se prend une petite passe dans le cul à 5 mètres? Allez, sûr. Allez, c'est parti, échauffement. Ouais. Sexy comme ça, non? Je suis chaud patate, les gars. J'ai foutu le truc du Springbok, ça va me l'énerver un peu, tu vas voir. On va voir si. Ah, mon fou, moi. T'aurais dû mettre le truc de Ben O'Keefe. Bon, les gars, en tout cas, ça fait trop plaisir de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas pu faire de vidéo. Et surtout, spécialement avec Emilien de la section paloise. Franchement, c'est un plaisir, je suis comme une balle. Peut-être, il va peut-être pleuvoir. Donc, ça, c'est un peu la merde. Mais moi, c'est les terrains beaux, c'est ce que j'aime. Bon, les gars, là, on est avec Aubin. On va pouvoir l'équiper parce qu'on va faire le défi des passes. Est-ce qu'on se ferait pas un petit handicap? Lui, il les passe du mauvais côté et moi du bon côté. J'ai pas de mauvais côté, donc. Oh. Tiens, Albert, mets-toi le casque au cas où. Non, mais un double casque. Je pense que c'est bon. La dernière fois, t'avais mal la dernière fois. Oh, ta mère. Ça lui grossit la tête, du coup. Les 5 points, ça sera plus. Il y a plein de choses dedans, chérie. Allez, c'est parti, les gars. Let's go. Bon, les gars, on est totalement en place. Pour le jeu des passes, je me suis entraîné pendant des heures, mon pote. J'ai appelé Aaron et tout, Smith, tu vois que c'est. Ouais. Tac, et là, je pense que je vais savoir enrober mon ballon et avoir une précision intacte. D'accord? Petit chifoumi pour savoir qui commence. Dans les yeux. Donc attends, c'est toi qui commence? Non, non, du coup, je choisis. Ah. Tu commences. Ouais, je vique. Ok, 1, 2, 3, let's go! Oh, oh là là, mais celui-là, vraiment. Hey! Lève-toi. Il se baisse au dernier moment. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça, c'était catas. Voilà, merde. Bon les gars, il est bien monté. Une tête. Et un bras, ça compte ou pas? Une tête, non, et un bras, un point, extrémité, c'est 3. C'est 3? Non, c'est 1, excusez-moi. Il connaît mieux le concept que moi. Il a mis la barotte avec un petit headshot et une extrémité. On va essayer de upgrade. C'est parti. Bon les gars, je vais directement commencer avec ce gay là. On va envoyer un... Ok, 1, 2, 3, go! Parfait. Belle. Belle. Non. Légalisation, est-ce que c'est tête? Tête ou nuque? On va demander au principal concerné. Je vois le... Tête, là. Attends. Déjà t'as gagné là. Ah, t'as fait une tête au début? Il m'a fait une tête là derrière. Ah le bâtard, là, je suis aux fraises, non, je suis aux fraises complet. Non mais en fait il a peur de lui faire mal en fait. Il a peur parce qu'il a froid. Sauf que moi Albert on est habitué à se foutre des brins quoi. Arrête Ok, let's go. Aïe. Ah, c'est une extrémité ça. Arrête.
C'est touché, ça va. C'est touché. On a entendu la carrosserie après. Mais qu'est-ce qu'il me fait, quoi? Oh, il attend, il attend. Attention! Oh! C'est là que je me suis appliqué. T'as deux têtes? Double tête. Voilà, là. On a entendu un petit frôlement. Ça fait un petit bonus, ça, non? Masterclass. Ok, les gars, dernière ligne droite. Il a mis la barre très haute. Alors, on fait une saucisse avec la première. Let's go! Merde. Trois fois le corps, c'est ça? Bon, les gars, ça a été dur de nous départager sur ce défi-là. C'était très sympa, je fais que le checker, mais alors que c'est un petit peu mon adversaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être avec Aubin au milieu et le tireur devra envoyer des petites frappes. Ce sera la manche en or. Et celui qui fait le plus de points, il a gagné. C'est parti, les gars. Ne jamais négliger la sécurité sur des montages haute intensité. T'as un casque. À l'époque, j'avais un casque quand j'étais petit. C'est vrai? Je le mettais que quand il faisait froid, quoi. 1, 2, 3, let's go! Ouais, ça fait peur! Ah! Wow, ça fait vraiment peur. Merde! Putain, il y a un seul trou. Ah! Oh putain, la quiche, quoi, zéro! Hey, t'as pas l'impression on est des. Zéro pointé. Des mecs dans Mario là. Je vais viser que Diego. Parce que bon, Aubin a pris un C. Oh, sort tes bras, non? Allez, range les couilles. Ah oh, ça fait trop peur, mec. Oh non, je me loupe le dernier, quoi. T'es dur. Mec, ça fait trop peur, en vrai. Ouais, la première, elle m'a fait trop peur, gros. Mec, il envoie des mics. Les gars, c'est très, très compliqué de nous départager. On a envoyé autant de saucisses chacun. Alors, clairement. Prends-toi, t'es un peu appuyé. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une zone hyper petite, comme ça. Et là, parce qu'on n'est pas des bâtards, c'est Aubin qui va devoir nous allumer. Celui qui se la prend, il a perdu. Sachant que Aubin, pour pas qu'il choisisse qui veut qu'il gagne, il mettra un petit casque pour lui bander les yeux. Celui qui est touché, il a perdu. C'est parti. Ça part sur un Daft Punk. Pas la caméra un peu. Bon les gars, c'est parti. Voilà, allez. Go. Oh le caméraman. C'est pas bon. What? Ah, j'ai touché. J'ai touché. Let's go. À chaque fois que tu passais derrière, t'avais peur. Je savais que t'étais mon vrai copain. Bisous, baby. Deuxième défi, les gars. On part sur le Colamaya. Les gars, je voulais vraiment remercier Ovaltry qui nous accompagne sur cette vidéo. C'est un jeu de fantasy avec des cartes, avec des joueurs de top 14, de Pro D2. Il y a Antoine Dupont qui est ambassadeur, vous avez peut-être dû déjà en entendre parler. Il y a plein de joueurs, on peut investir sur les joueurs. C'est des cartes aussi qui prennent de la valeur, donc c'est super sympa. On peut aussi gagner des places pour des matchs. Vous avez le lien en bio juste là pour télécharger l'application. Allez-y, laissez-vous tenter. Bon les gars, pour ce deuxième défi, on devra prendre ce parcours où on devra faire trois petits tours pour être un petit peu déboussolé. Et ensuite, on viendra chercher les extrémités des piquets, on viendra tapoter des pieds dans cette petite ligne, un burpees, et ensuite c'est sprint jusqu'à Albin qui nous attend, et on doit lui mettre le plus gros tube. 3, 2, 1, allez, trois tours. 1, 2, et 3. Allez, c'est parti, tout droit, tu passes, tu dépasses. Où ça? À gauche, non, ouais, t'es droit. Genou, dans l'autre sens. De quoi? Non, toi, à gauche. C'est bon? À gauche. Je veux gauche? Ouais. Ouais! À gauche. À droite, un petit peu, légèrement. À droite? À droite, vas-y, là, là. Oh, bâtard, fils de pute. C'est où? T'es un gros chien, frère. Mais j'ai rien compris, frère. C'est affreux. Tu veux refaire? 3, 2, 1, allez c'est parti. Un tour, deux tours, trois tours. Ouais, t'en as fait 4. Là? Là? Ouais, ouais, tu y es. Un peu à gauche. Je suis merde, je veux aller vite, mais. J'étais où? Bon les gars, les deux premiers passages étaient chaotiques. On a fait une petite match avec le speaker. Donc là, on se refait un passage chacun.
Si tu ouvres les yeux, tu vas le fracasser. Là. Ok, 1, 2, 3, 3 tours. 1, 2, 3, let's go. Ouais, c'est bien, c'est bien. On va à gauche, on va à gauche. À gauche, à droite, tout droit. Un petit peu à gauche, un petit peu à gauche, un petit peu à gauche. À droite, tout droit. Et là, tout droit, montez le genou. Et stop. Les blocs. Attends, mais j'ai l'impression que je suis okay, à les gars, 50, quoi. 48 secondes. Bon, il m'a épargné Albert, hein, je pense. J'ai l'impression que j'étais là-bas dans les 50, quoi. Ok les gars, 49 secondes, on peut dire qu'on a un speaker qui est pas très précis non plus, faut le dire des fois. En plus, ça fait peur quand t'arrives pas à sprinter les yeux fermés. Ah ouais, ouais, je me suis dit aussi. Faites pas les bâtards avec moi, me foutez pas dans le parking. Hein. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, 3 tours. 1, 2, 3. Allez, c'est parti, droite, droite. Là, tout droit, tout droit, tout droit, droite, droite. Rap, pivote, ouais, partez, partez. Ils sont les plots. Pas chassé, pas chassé. Non, droite, non, 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 mais t'as tourné. Reviens vers ma voix. Ouais, reviens ouais. Encore, reviens, voilà, là, t'as fait le tour. Stop, tourne. Non, 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 de l'autre côté. Là, tout droit, montez de genoux, là. Allez, continue, allez, burpees. Là, un petit peu à droite, un petit peu à droite. Bim, là, t'as la cible. Allez, go, 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 clutch. You. Clutch. Aïe. Aïe. Bon les gars, j'ai pris un bon tube dans la tête avec Albert, mais c'est gagné. 48 secondes contre 43. Ben voilà, va falloir que je me rattrape sur la dernière manche alors. Dernière manche les gars, let's go. Troisième défi, je me suis déguisé en Cheslin Kolbe parce que ça va être un défi vitesse les gars. Donc là, on va faire 50 mètres. Bon bien sûr, Emilien, on connaît ses qualités de vitesse, du coup il aura deux petits handicaps. Il devra se faire un petit rasant pour lui-même et un par-dessus sur Albin qui défendra. Donc il sera équipé d'une GoPro pour avoir vraiment les images. Et moi, j'aurai juste un grand tout droit à faire avec le ballon et plonger comme là. Là, je stresse pour rendre. Là, c'est ma dignité qui est en jeu là. Non. C'est serré quand même, incroyable. Bon les gars, j'ai eu beaucoup de chats. Il n'y a pas eu de roman favorable, mais vaut mieux que tu l'aies pas ici et que tu l'aies. J'avais assez de la chatte l'année dernière. C'est abusé comment il va vite les gars. Sur le départ tu sens direct qu'il est hyper rapide. Mais je te couche courir comme ça quand même. Bon bien joué mon poulet. Et on va passer au gage. Je pense qu'Albert aussi a envie aussi de se venger des deux pruneaux qu'il a pris dans la tête. Donc t'auras droit à 2-3 munitions. Ah c'est gentil, merci beaucoup. De rien chéri. Bon les gars, c'était mon troisième défi avec un joueur pro après avoir pris deux branlés. Là je gagne, mais ça me fait chier de gagner avec de la chatte en plus contre un joueur de la section. Mais bon le gage on le fait, d'accord. Tu te mets en place s'il te plaît. Ouais, allez bien te laisser gagner quand même. Ouais, il m'a un peu laissé gagner, bon c'est pas grave. C'est parti. Aïe! Pleine boule! Aubin, t'en mets une ou pas? Volontiers! Allez, c'est Noël! Albi, il est foutu, normalement, c'est au pied même! Pour moi, c'est à la toi! Ouais! Allez, c'est raté! Immense honneur aujourd'hui d'avoir pu défier un joueur de la section paloise, mon club de cœur depuis tout petit. Merci beaucoup, Emilien, pour ça. Merci on à toi. C'est le 14e check de la journée. Ben, bonne chance pour la saison, bon courage pour la suite et merci beaucoup, Maras. Ciao, les gars, abonnez-vous et abonnez-vous surtout à son Instagram, les gars. Il est beau gosse. La bise, les gars.